m'appelle Penny Guel, je suis co-gérante de l'entreprise France Diffusion, représentant la marque France Barnum. Nous sommes leaders sur le marché français de la vente de Barnum, tentes pliantes, tentes de réception, tentes gonflables et accessoires de sécurité. Nous avons une particularité, c'est qu'on s'adresse à tous les publics, aux professionnels, aux entreprises, aux collectivités, aux particuliers, aux associations. J'ai avant tout été sensibilisée par mon développeur web, qui effectivement nous a parlé de cette formation, de la pertinence de la formation. On est spécialiste en fait en e-commerce, donc on fait de la vente en ligne de nos produits. C'était pour nous très important de savoir si les mesures que nous prenions dans l'entreprise étaient pertinentes, si on garantissait bien la sécurité de nos informations que nous possédons, la sécurité des informations de nos clients, les informations de nos salariés, de nos fournisseurs, et surtout éviter toute situation de blocage de main qui pourrait tout simplement stopper le fonctionnement de l'entreprise. Les règles générales du bon fonctionnement de l'entreprise. On parle à la fois de comment sécuriser ses locaux, comment sécuriser son poste de travail, pour nous emmener petit à petit à savoir quelles pourraient être nos faiblesses sur notre manière de fonctionner, quelles sont les préconisations qu'on doit avoir pour gérer son entreprise, pour effectivement assurer la sécurité de ses outils et de son fonctionnement. Mais c'était avant tout connaître les situations et les menaces qui pouvaient apparaître et pouvoir y répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible. Les entreprises sont concernées par la cybersécurité. On vit aujourd'hui dans un monde connecté. Aujourd'hui, une intrusion sur son PC, c'est l'impossibilité de travailler, c'est un blocage total de ses données. Cette formation-là, elle permet de donner des clés simples, de rappeler des mesures simples. Changer son mot de passe tous les X mois, c'est des choses simples, mais qu'on n'applique pas forcément quand on est dans le quotidien de l'entreprise. Et sensibiliser ses équipes, parce que voilà, on n'est pas que chef d'entreprise seul et tous les salariés dans l'entreprise doivent être sensibilisés à des règles de bonne conduite. L'un des objectifs du partenariat est que la formation soit certifiante. La CCI Bretagne certifie la formation référent cybersécurité en TPE-PME. Ça permet entre autres aux auditeurs de la formation de s'emparer de leur compte personnel de formation, CPF, pour financer la formation. L'intérêt de la formation est d'être en mesure à l'issue de celle-ci de mettre en œuvre un premier niveau de déploiement de la cybersécurité au sein de l'entreprise et d'être en mesure en cas de crise d'intervenir à un premier niveau.